Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Toujours de permis. Eh oui, il nous en reste encore quelques-uns. On arrive au S5 avec la Yaris. Pour un petit circuit de Sardaigne, la Terre. Eh ouais. Allez, zébardi, zébardi. Alors, 25,8 pour l'or. Ouf, 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 ouf. Bon, pour l'instant, personne n'y est arrivé. Bon, après, c'est les débuts, hein. Là, voilà. Là, il n'y a pas beaucoup de joueurs, mais sur le peu qu'il y a, voilà, c'est comme moi, des passionnés qui veulent jouer de suite, hein. Et ben, voilà. Et ben, ils sont un peu loin quand même, hein, je trouve, hein. Wow, 2 secondes, hein, pour le meilleur. Écoutez, on va essayer de faire ça, hein. Allez, c'est parti. Ouais, piste de terre, mais bien sûr, la Sardaigne. Oui. Se déplace en ligne droite lorsque vous faites un saut. Ouais. Allez, on y va. C'est parti. Bon, allez. Ligne 26, 277. Ça, c'est un excellent fantôme de référence. Alors, je vais essayer de prendre bien à l'intérieur. Là, je lâche rien. Et de me retrouver à l'extérieur. Oh non. Oh non. Oh non. Et ouais, je sais, j'ai tout perdu. C'est pas grave, je continue. Je lâche, j'accélère, je relâche. Pour essayer de garder la corde. Et non. Non, non, je l'ai vu, j'étais du mauvais côté en fait. C'est pas grave, je continue, on sait jamais. C'est dommage. C'est dommage. Bon, en tout cas, j'ai les 5, la demi-seconde, là je l'ai d'avance. Donc ça c'est bien, maintenant si j'assure jusqu'à la fin, je devrais gagner. Et voilà, c'est facile en fait au rallye. Bien rester à côté des barrières. Normalement c'est là c'est cadeau, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Si là j'arrive pas, c'est qu'il y a un souci quoi. Ouais. Ah oui, c'est vrai que ça saute là. Ça saute beaucoup même. Mais ça passe. Même avec 1 seconde d'avance. Et franchement, j'en ai fait des erreurs. Hein. Mais d'où l'avantage de mon bon fantôme. Voilà. Comme ça, j'ai bien vu mes erreurs. Et puis voilà quoi. Royal. Franchement, ce temps-là, on va pouvoir le descendre grave plus tard. Parce que franchement, allez, en tout cas, j'espère que cette... Ah, attendez, ben non, on va se taper la rediffusion. Alors, la rediffusion, oh, on va se remettre à l'intérieur. Voilà. Donc là, je me mets à l'intérieur. Je fais intérieur. D'accord. Et là, par contre, j'ai eu un gros coup de chance, mais la base, vous voyez, c'est de se mettre à l'extérieur. Pour faire extérieur intérieur, et là n'oublions pas de freiner, on n'a pas peur, on freine et puis on gère avec l'accélération pour essayer de garder l'intérieur. Voilà. Toujours à fond là, tout à fond là, là on lâche pas le doigt ou la pédale là à l'intérieur. Là par contre il est très mal pris, hein. Les 2 fois je le prends très mal. Normalement, je me souviens que je sais plus comment j'ai fait l'an dernier, mais la dernière fois sur l'autre Gran Turismo, mais je passais nettement mieux. Mais bon, c'est pas grave, mais il y a mieux à faire. Là, à fond sur le frein et on jette la voiture. On jette la voiture, on accélère dès qu'on voit. Hop, on relâche. On fait le tour de la barrière, on accélère, on relâche. On essaie de se mettre droit et là on accélère à fond. Voilà, à fond, à fond, à fond. En fait, c'est un peu. Ça tourne un peu, mais en fait, c'est droit. Hein. En fait, ce que j'ai peur, voilà, c'est des bosses. Mais bon, là, ça s'est très, très bien passé. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis surtout que ça va vous aider. Voilà. En tout cas, merci d'avoir vu cette petite vidéo. À bientôt pour un nouveau défi.